Frèm sèm, bonjour, nou kontan sa avèk ou matin ki se dimanche 24 mars pou nou kapab ansanm etudye leson ekol saba. Just avan nou komanse, nou evite ou pou ka bese tèt ou pou nou ka priye. Eternel Dieu, papa nou ki nan sèl la, nanm nou beni nou, mèsi pou gras ou mèsi pou l'amou, mèsi pou yon lot jounen ke ou akorde nou. Aloske nou pal etudye parol ou, nanm mando pou imprègne nou de sèt espri ou konsa nan va kompran e mette en pratik tout sa kou vle. Apprendre nous matin avec nous dirigeants, nous ne babons pas dignes. Mais c'est une prière de notre petit tout Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Bienvenue une autre fois encore, Frère Maxime. Jeudi à ce dimanche 24 mars, titre censé l'appel à espérer. Yon appel pour nous capables tonne. Yon mande nous pour nous lire Psaume 27, verset 14, Psaume 37, verset 7, verset 9, verset 34. Psaume 39, verset 7, Psaume 40, verset 1, Psaume 69, verset 6, Galates 5, verset 5, Romains 8, verset 18 à 25. Et puis, on dit nous, yo pose une question, on dit, qui sa texte sa yo mandé pour le peuple bon Dieu a fait? Rapidement, nous capables de lire par exemple Psaume 37, verset 7. À nous chercher Psaume 37, verset 7. Pour nous lire ensemble. Qui ça lui dit? Psaume 37, verset 7, lui dit comme ça. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Ça a son bel texte, son belle mise en garde pour nous-mêmes chrétiens, pour nous quimber silence, pour nous tenir l'Éternel, pour nous pas fâcher. Ni pour ne pas porter envie à mon qui a réussi, mais c'est chemin crochet que vous fait. Ok, frère Maxime. Eh bien, l'autre texte que nous sommes capables de considérer, c'est par exemple le psaume 39, verset 7. Rapidement, en nous garder qui ça dit comme ça, là nous faisons le texte, nous sommes capables de garder commentaire que vous fait dans le soir. Psaume 39, verset 7, excusez, il dit comme ça, maintenant Seigneur. Que puis-je espérer en toi et mon espérance? Amen. Alléluia. Eh bien, yo di nou, yon pi grand stress dans la vie, hein, c'est le wap ton. Que ce soit, n'importe moun koye ya, n'importe koto ap vive, n'importe situation que yon dans la vie, hein, que riche ou pauvre, ou nan yon des fois dans des situations, de des moments, kote que fok ou ton. Côté que wap tan ou bien wap espérer yon bagay. Des fois ou nan yon file d'attente nan yon magasin, OK, ou pa passer sous caisse pour payer ou son file la longue faut tan. Des fois ou ta l'hôpital ou fait examen médical, wap tan résultat test yo. Eh bien, c'est pas un bagay que nous toujours aimer fait, pas vrai? Tan. Mais qu'est-ce qui passé les que où nous devons espérer en l'Éternel. Eh bien, dis-nous, la notion d'espoir en l'Éternel n'est pas trouvée seulement dans les psaumes, mais c'est tout côté dans la Bible. Mot-clé et dans la question, c'est persévérance. Persévérance, c'est engagement nous-mêmes, un engagement suprême pour nous refuser, pour nous succomber à la peur. La peur pour nous t'a déçu. Et des fois, nous peur échec en pile. Nous peur pendant mon Dieu dit nous tenant pour à la fin nous pas joindre ça nous besoin. Souvent c'est ça qui rive en pile chrétien. Petit bon Dieu qui dévoué à l'attendre parce que il a certitude que bon Dieu fidèle et que si il tonne eh ben il capable de confiance que s'il confie non bon Dieu, nous capables rassurer que la fait toute bagaille pour bien nous. Même si pour le moment nous pas ouais et bagaille marcher j'en ta vle ya. Mais petit bon Dieu a li compte qui j'en pour le ton, li compte qui j'en pour le ton mon Dieu, il compte qui j'en pour persévérer dans la patience. Eh bien on dit nous espérant l'Éternel, c'est plus que s'accrocher. C'est un désir profond de mon Dieu qui comparé à une soif intense dans une terre qui sèche.
selon Psaume 63 verset 1er. Psalmiste là, li attend en pile bénédiction de la part de Dieu. Mais désir li, c'est pour le rapprocher plus de mon Dieu. Désir li pour le rapprocher de mon Dieu, surpasser tout désir et besoin qui gagne dans la vie. Même Jean nous lit ça dans l'être Paul là et dans merveilleux passage ça dans Romains côté que il dit comme ça, Dieu et toute la création attendent le renouvellement du monde et la rencontre bénie du Seigneur avec son peuple à la fin des temps. Eh bien, nous voyons qu'il y écrit, il dit aussi la création attend-elle avec un ardent de désir la révélation des fils de Dieu. Romains 8, verset 19. Ça sont belles promesses. Cependant, alors que nous attendons, salut qui est pour venir, c'est-à-dire la venue de Jésus, d'attendre pour rencontrer Jésus. Alors que et toute la création l'a soupiré, l'a souffri avec douleur enfantement, selon Romains 8 verset 22. Et bien Seigneur, il toujours demeuré avec peuple par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Pendant ce temps, nous appelés pour témoigner selon Actes 1 verset 4 à 8. De plein salut qui a abouti à une nouvelle création. Et bien, nouvelle création, ça, c'est en fin de compte ça que nous obtenons. L'accomplissement final de nos espoirs en tant que chrétiens adventistes et côté non nous-mêmes qui c'est monde qui obtenons, li gen idée de espérance nous. Ok? Non adventistes là, li traduit même l'espérance, l'espoir. Donc, nous attendons, mais nous connaissons que c'est pas en vain. La mort et la résurrection de Christ et lors de son premier avènement, lui garantit nous que la pour retourner encore. Pour finir, on pose une question, on dit quelles sont les choses pour lesquelles vous espérez en Dieu? Qui sont attendre de mon Dieu, je l'ai dit. En plus de nous, nous attendons une guérison. En plus de nous, nous avons obtenu un mariage, nous avons obtenu une délivrance. Eh bien, que Jean vous doit apprendre pour tenir de la foi et la confiance. En particulier lorsque vous pouvez ça que vous avez prié. Pour maximum des fois, nous avons fait 2, 3, 4 ans, vous avez prié pour un seul bagage. Pourquoi Jean vous mais que Jean vous doit apprendre pour espérer à l'éternel. Les nous espérons l'éternel, on nous pas chita, mais plutôt fait louange. Fait louange, montrer que nous déjà jouons une bagaille là. Fait louange, montrer déjà que bon Dieu, il a accordé nous ça de besoin. Fait louange pour l'autre monde, car ouais, que nous pas sans espoir, mais c'est des mondes qui attendent dans l'éternel. Eh bien, frère Maxime, nous invitons pour baisser tête tout, pour nous prier pour nous capable de conclure. Éternel Dieu, papa nous qui dans ciel la matin, ou invitez-nous pour nous capable tendre, pour nous capable tendre avec espoir. Son appel pour nous tendre Seigneur. Des fois nous impatients, mais Seigneur, ou toujours fait toute bagaille dans l'heure qu'il doit faire. Seigneur Dieu, continue à apprendre nous la patience Seigneur. Continue à apprendre nous la tempérance de manière à ce que nous capable vivre jongler sur cette terre. Papa, fais-nous grâce. Bénis journée pour nous. Bénis semaine pour nous. Nous ne sommes pas dignes, mais si nous prions, c'est dans notre petit tout Jésus qui fait qu'il règne au siècle des siècles. Amen. Merci et merci encore une fois, frère Maxime. Nous sommes contents avec vous. Nous invitons pour partager le son ça. En y a ce que l'autre monde est capable de toucher de message ça. C'était frère Ismaël Chéri. Que bon Dieu bénisse.